troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom, toujours avec nous Raphaël Goma, Paco Auguste et Blaise Eyoum. Zoom à présent sur notre sujet consacré aujourd'hui à la culture et les enjeux de son développement au Burkina Faso. La révolution du secteur culturel en marche au Burkina Faso. Le pays accorde une grande place à ce secteur. En témoigne l'organisation annuelle du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, qui met à l'honneur le cinéma africain. Cheikh Omar Bandaogo. Le dernier grand défi pour Abdoul Karim Sango, ministre en charge de la culture au Burkina Faso, était de réussir une mobilisation dans le cadre de la 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, dans un contexte d'insécurité qui aurait bien pu inquiéter les festivaliers. Ouaga, où le Burkina Faso n'est pas plus en insécurité que Paris, ou que New York, ou que Londres. Mais cela n'empêche pas les gens de continuer à y aller. Je pense que c'est un phénomène qu'il faut intégrer. Quand on parle de son ministère, l'on ne se focalise pas uniquement sur le cinéma. Avec les autres arts, le tourisme est mis au cœur de la politique que mène Abdoul Karim Sango, avec des idées tendant à instaurer une révolution afin de faire du secteur l'un des plus porteurs, car disposant des ressources nécessaires. D'ailleurs, en ce moment, j'ai écrit à la Banque africaine de développement, pour que la Banque africaine de développement, évidemment à la CEDEAO, l'UMOA, nous appuie pour que nous mettions en place une sorte de plateforme électronique qui va faciliter. Ce qui fait que, quel que soit le coin du monde où vous vous trouvez, si vous voulez venir au Burkina, vous n'êtes pas obligé de transiter par une ambassade. Apportant son point de vue sur le cinéma africain, le ministre Sango estime que celui-ci doit être engagé dans la construction d'un imaginaire africain autour des grandes valeurs que sont la démocratie, la solidarité et la fraternité, entre autres. Alors, monsieur, il n'existe aucun exemple réussi de développement des sociétés sans ancrage culturel. Malheureusement, le secteur culturel est souvent relégué au second, voire troisième plan dans nos pays africains. Pensez-vous que le ministre burkinabé de la Culture l'a compris et souhaite ainsi changer la donne avec cet engagement-là qu'on a vu dans ce partage ? Oui, je pense que non, et je crois qu'il a bien compris, parce qu'il faut dire quand même que le Burkina est en quelque sorte le fer de lance en matière culturelle, notamment quand on voit la réussite du FESPACO, et qu'il y ait un ministre comme celui-là qui, moi, c'est ce que j'admire chez lui, c'est cet engouement, c'est-à-dire cette force qu'il a de dire, bon, bah, écoutez, je veux faire que la culture fasse que, à travers la culture, bien sûr, ça puisse rayonner à travers le Burkina et peut-être les pays limitrophes. Je pense que oui, parce que souvenons-nous de nos, tout à l'heure, on parlait en aparté des Bantous et qu'il y avait des royaumes, mais il y avait le royaume aussi. Ouais. Et donc, il y avait la culture, et si on va même plus loin d'ailleurs, la culture Dogon au Mali. Ouais. Et ça, c'est des richesses. Aujourd'hui, on a vu des œuvres africaines s'expatrier partout dans le monde. Et nous avons compris maintenant que ces œuvres-là doivent rentrer au bercail, tout simplement parce qu'effectivement, ça peut être aussi un facteur de développement. Malheureusement, dans ces pays d'Afrique, on a toujours délaissé la culture. C'est le parent pauvre au niveau des ministères. La culture, bon, le ministère de la culture, bon, on le délaisse toujours, alors que ça peut être, disons, un maillon efficace pour, disons, un développement dans une nation, parce que la culture et l'éducation vont de pair. – Je pensais d'ailleurs que c'est des ministères qu'on pouvait associer pour pour une chose, c'est d'abord redonner à l'Afrique ce qu'elle a toujours eu de plus riche. L'Afrique a, on va dire, c'est même pas un malaise, mais une méconnaissance de son histoire, la jeunesse africaine en gros. Il y a un gros travail fait par les Égyptiens.
égyptologues et les anthropologues pour redonner à l'Afrique son passé d'antan glorieux et pour lui redonner ses lettres d'or que l'Afrique a connues. Il parlait de l'histoire des royaumes africains qui vont de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique australe en passant par l'Afrique centrale avec l'Égypte pour point d'orgue hein, de cette... Il y a encore dans notre imaginaire même une Égypte blanche alors que l'Égypte est noire et qu'il faut le dire, il faut que les Africains l'apprennent, les Africains noirs, et que les Africains se réapproprient leur histoire. Alors c'est vrai que les indépendances et la période de l'esclavage, et cette période d'aliénation nous a éloignés de notre culture à la base, mais il faudrait que nos chefs d'État, qu'on ait la chance d'avoir des chefs d'État qui mettent un accent fort sur cet aspect-là, qui va nous redonner non seulement une fierté d'être ce que nous sommes, mais également nous permettre de nous développer par rapport à ce que nous sommes réellement. Parce qu'en réalité, quand on ne se regarde que par rapport au miroir et à l'image des autres, on a du mal à se développer sur nos bases réelles. On achète ce que les autres consomment, on mange ce que les autres mangent, alors qu'on pourrait, par les références qui nous ont construites ou qui ont construit nos ancêtres, nous permettre de mieux nous développer. Vous disiez tout à l'heure qu'aucun peuple ne se développe sans sa culture. L'Afrique a encore un problème à ce niveau-là. Mais globalement, on voit ici et là, par exemple au Bénin, la fondation Zinzou qui œuvre pour la récupération des œuvres qui ont été non pas prises, mais pillées à l'Afrique. Ça a été partout comme ça dans les pays africains pendant la colonisation et même avant. Ou c'est quand vous vous baladez au musée du Quai Branly ici à Paris et dans d'autres musées de l'homme, etc., vous retrouverez un tas d'objets d'art importants qui ont été pillés à l'Afrique. Alors il faudrait redonner cet accent pour que les Africains soient d'abord fiers de ce qu'ils savent faire, de ce qu'ils ont toujours pu être et qu'ils se reconstruisent psychologiquement et même psychiquement parce qu'on a un grand problème avec ça, de façon à ce que ces ministères deviennent des fers de lance associés au ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, c'est des petits budgets alors que ça doit être des budgets énormes. – Justement, parlant de ça, M. Mpako, comment est-ce que le gouvernement peut vraiment impacter justement le développement du secteur culturel ? Ben écoutez, le FESPACO, enfin le Burkina montre avec le FESPACO ce qu'il est possible de faire même avec des moyens limités. Aujourd'hui, quand on compare les moyens du Burkina Faso à certains voisins, toute l'Afrique subsaharienne, on voit que le Burkina a des moyens limités et pourtant ce petit pays arrive à organiser ce festival chaque année. Or, il en est à son 50e d'ailleurs, anniversaire. Oui, donc ce qui montre qu'il faut d'abord les idées et ensuite trouver les moyens de les développer. Et ceci peut ensuite entraîner une activité économique énorme. On le sait peut-être pas assez, ce que le festival de Cannes permet à la ville de Cannes d'engranger chaque année, Ouagadougou peut le faire avec le FESPACO. Mais pour cela, il faut développer toutes les infrastructures parce que justement, le secteur du tourisme, le secteur de la mode, peut permettre au Burkina d'avoir des ressources importantes pour son développement. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi changer les mentalités ? On va dire même des peuples africains, je parle du cocon familial dès le départ, parce que rares sont les parents africains qui vont écouter un enfant qui va dire « Ok papa, j'ai envie d'être artiste, musicien ». Parce que dès le départ, c'est médecin, chirurgien, banquier, parce qu'en soi, c'est ça qui rapporte de l'argent. C'est vrai que quelque part, ça reste des métiers un peu précaires qui font peur. Oui, mais pour cela, on n'a pas besoin de changer de culture. Regardez dans toutes les grandes familles en Occident, au Japon, c'est normal que les parents, compte tenu de leur expérience et des espoirs qu'ils mettent dans leurs enfants, visent toujours le meilleur pour leurs enfants. Et si le meilleur pour eux, c'est être médecin, c'est être banquier, c'est normal qu'ils choisissent. Mais après l'enfant, vous savez, partout ailleurs, ça se passe comme ça. Ce n'est pas des transgressions. Un enfant qui a du talent, et on voit bien de petits Africains qui ont des talents artistiques. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce petit gamin à qui la France a proposé une bourse au Nigeria. Vous voyez, voilà un gamin qui a du talent et donc il faudrait empêcher
aux parents C'est là que le secteur de l'éducation doit rentrer. Ben, tout à fait, mais c'est pour ça que je parlais de nos chefs d'État. Parce que c'est vrai qu'on trouve rarement des conservatoires. Le Burkina Faso a cette réputation grâce à un chef d'État quand même qu'il a connu. Hein. Le président Sankara a été quand même un des leaders de cette mise en valeur de l'Afrique sous cet aspect en disant que l'Afrique doit compter sur elle-même d'abord. Oui. Et ce FESPACO, qui est une suite depuis quelques années avec peut-être des difficultés à certains moments, peut encore davantage se développer. Mais il faudrait effectivement que chaque gouvernement mette l'accent vraiment là-dessus. Moi, j'ai l'impression dans certaines zones d'Afrique, alors qu'on en voit, on a parlé du Sénégal tout à l'heure, et on a vu ce que le tourisme peut rapporter, que dans d'autres, ils ne se rendent même pas compte à quel point le tourisme est important, la culture est importante. Le nombre de visiteurs, les musées dans les pays développés, on va dire développés, pour utiliser ce mot, je ne l'aime pas beaucoup, mais je l'utilise pour qu'on ait des repères, le nombre de visiteurs est effrayant. Voilà, vous allez au musée du Louvre, vous allez au musée du Québec. On peut en mettre des musées chez nous, mettre un accent important dessus, créer des infrastructures routières, hôtelières, hospitalières pour permettre aux gens de venir, d'être en sécurité et de visiter ces musées. Qu'est-ce qu'on a allé à Branly alors qu'on peut aller à Douala, à Ouagadougou, à Kinshasa, visiter ce qu'on a de plus cher dans nos cultures. Aller visiter un zoo en Afrique où les autres viennent prélever. Vous aurez du mal à être à l'aise dans des eaux où, d'ailleurs, c'est la manne première. C'est là qu'il y a tous les animaux. Mais alors que vous allez dans des pays qui viennent nous prélever nos animaux, vous voyez leurs eaux, vous avez envie d'y rester. Alors que c'est quand même curieux. Toute la richesse vient chez nous. Et on ne nous éduque même pas à cela. Parce que vous allez dans nos safaris, c'est des étrangers qui y viennent. Ce n'est pas nous-mêmes qui allons, on n'organise même pas de… Voilà. Et ça, par ailleurs, c'est l'histoire de café, je fais un petit parallèle, où on va produire du café, mais c'est les autres qui le consomment. Bon, très bien, mais il faudrait aussi qu'on profite de ce qu'on a pour que notre économie à nous nous serve. Et puis, le secteur culturel est une économie forte, il faut qu'on s'en rende compte. – Et d'ailleurs, parenthèse pour terminer le mot de la fin. Je pense, voilà, regardons aujourd'hui, je crois que c'est au palais de la Villette, tout en Camon. – Tout à fait. – Et combien de personnes, je lisais que ça draine au moins… 1 million quelque chose de rente. Voilà. Donc c'est la ceux culture. Qui payent des billets d'avion pour venir, voilà, les hôtels, part de loin. Qui achètent des objets. Hein, ouais. Et le Louvre s'exporte même jusqu'à Dubaï. Mais bien sûr. Donc c'est pour dire que non, nous devons réfléchir sur une culture africaine qui nous permettra effectivement de booster aussi les autres secteurs de l'économie. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Et merci à vous de nous avoir suivis. Bonsoir et à bientôt.